vous savez, monsieur, je suis élu de l'Île-de-France et je fais toutes les villes de Seine-Saint-Denis. Alors croyez-moi, je ne veux pas prendre la parole parce que, voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Alors, moi, je vais peut-être vous surprendre, je vous surprendrai une dernière fois. Si on demande aux électeurs du Front National qui est pour eux le meilleur leader pour la France, François Fillon fait 14 points de plus que Jean-François Copé chez les électeurs du Front National. Eh bien, c'est la vérité. C'est totalement exact, monsieur. Vous me donnez votre adresse, je vous envoie les sondages. Mais comme vous voulez. D'abord, Valérie vous a proposé cet échange. Je voudrais la compléter. Parce que je ne peux pas accepter, j'accepte de tout entendre, mais je ne peux pas accepter qu'un militant, disons militant que je suis, que nous ne serions pas sur le terrain. Ma vie, elle n'est faite que de terrain. La mienne aussi. Celle de Valérie, elle n'est faite que de terrain. Je ne vais pas coucher une seule fois chez moi, pendant trois heures, depuis trois mois. Sur la campagne présidentielle, j'étais le seul représentant UMP à Isle-sur-Sorgue à afficher. Monsieur. J'ai fait ça pendant trois mois. Mais monsieur. Mais c'est pas vous, monsieur, qu'on attaque, c'est vous qui nous contestez. Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous attaquer. Non, parce mais, que, monsieur. Monsieur, je colle encore les affiches, même à 45 ans et même en étant Valérie, ministre. Valérie, je dirais une petite chose. C'est que, après tout, ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est peut-être une incompréhension qu'on a besoin de gommer. Nous sommes dans une campagne interne. D'abord, je pose la première question. Est-ce que deux candidats issus de la même formation politique, dont l'un a été président de notre groupe pendant trois ans, puis secrétaire général de notre mouvement pendant deux ans, l'autre, notre Premier ministre, celui qui a conduit les réformes, c'est le Premier ministre, celui qui a dû soutenir le Premier ministre avec la majorité parlementaire qui était la nôtre, c'était le président du groupe, son candidat, l'un contre l'autre. Aujourd'hui, quel est le gouvernement qui est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale? Donc quel est le Premier ministre? L'interdiction du port de la burqa. François Fillon. Qui a fait voter dès le mois de juillet 2007 la suppression des peines planchers contre les multirécidivistes. François Fillon. Qui a fait voter la loi contre les bandes organisées dites Estrosi, c'était ma proposition de loi. François Fillon. Qui a fait voter la LOPSI 2 qui nous permet, dans les recherches ADN aujourd'hui, et qui nous a permis notamment de faire monter de 35% les taux d'élucidation sur les crimes les plus odieux, et en même temps de faire monter à deux chiffres l'inversion de l'insécurité, François Fillon. Qui a pris des mesures fixant des quotas dans la lutte contre l'immigration clandestine? François Fillon. Dans tous ces domaines, le Premier ministre qui a réformé tout cela, et si c'était des mesures qui n'étaient pas de droite, et de droite affirmée, et de droite sans complexe, pour ne pas dire autre chose, prise par François Fillon, je n'imagine pas un seul instant que M. Hollande et M. Hérault n'aient eu comme première préoccupation que de les supprimer dès le mois de juillet dernier. Ça veut bien dire que le symbole de toutes ces réformes, c'est bien le Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui les a mises en œuvre avec les résultats que nous avons eus à la clé. Après, on peut parler du terrain. Vous savez, le terrain, je suis maire, moi. Et Valérie est conseillère régionale et sillonne une région contre M. Huchon, président socialiste de l'Île-de-France, où on regarde les pires des choses se passer dans le TER, etc., etc., et où, au quotidien, elle aborde tous ces problèmes. Donc, vous savez, les affiches et machin, tout ça, je connais, j'ai collé, etc. Et en tant que maire de Nice, parce que je refuse aujourd'hui la politique de M. Hollande, parce que je suis sur le terrain, parce que les emmerdements, je les ai, et parce que j'utilise mon pouvoir de police de maire en étant devant les tribunaux et en prenant les risques, parce que je vis au milieu de ma population. J'ai pris des arrêtés de couvre-feu contre les mineurs de moins de 13 ans pour qu'on ne les laisse pas circuler libre et seul le soir en dessous de 13 ans.
J'ai pris des arrêtés de fermeture des épiceries de nuit, où j'ai eu un recours devant le tribunal administratif, parce que, soi-disant, on empêchait de vivre ces pauvres commerçants qui prétendaient ne pas vendre d'alcool la nuit, puisque la vente d'alcool était interdite la nuit. Mais il faudra m'expliquer qu'ils sont capables de vivre la nuit en vendant de la farine. En tout cas, moi, je les ai interdits. Qui a pris des arrêtés pour interdire la mendicité agressive, là où j'ai des robes à l'intérieur et à l'entrée de ma ville, qui font les pare-brises, qui vous agressent, qui etc., etc., etc. Qui a équipé de taser 24 heures sur 24 sa police municipale, en ayant là aussi des recours de tous les bons penseurs, SOS Racisme, le MRAP, etc. 780 caméras de télésurveillance, une pour 400 habitants, Big Brother, je suis insulté de tous les côtés par tous les mouvements humanistes et humanitaires qui soient. Qui, enfin, parce que je n'acceptais pas le spectacle du 6 mai au soir sur la place de la Bastille, a fait prendre une charte des mariages dans sa mairie parce que je ne supportais plus de voir dans les rues autour de mon hôtel de ville débarquer des bagnoles qui gardaient les portes ouvertes, qui risquaient de rester au milieu de la chaussée, qui faisaient du tohu-bohu, qui jouaient de tous les instruments de musique possibles et qui dérangeaient 30 autres couples qui voulaient se marier normalement, ne pas perdre de temps pour ensuite aller se marier dans leur lieu de culte régulièrement, et qui en même temps venait en agitant des drapeaux étrangers, qui a pris cet arrêté d'interdiction qui est aujourd'hui appliqué dans sa ville. C'est un maire UMP que François Fillon a choisi à ses côtés pour préparer les élections municipales de 2014. Alors si vous me dites à moi que je ne suis pas sur le terrain, que ces problèmes je ne les vis pas, et qu'en plus je ne prends pas les mesures qu'il faut pour les empêcher dans ma ville, eh bien je pense que vous vous trompez de discours en vous orientant vers moi. Je pense que dans tous ces domaines, le maire de terrain que je suis, engagé aux côtés de François Fillon, parce que François Fillon veut que nous soyons extrêmement fermes dans tous ces domaines, et que dans nos mandats d'élus locaux comme dans nos mandats d'élus nationaux, nous soyons à la hauteur des engagements qui sont les siens pour nous en montrer dignes, eh bien, c'est celui aujourd'hui qui n'est pas seulement dans les paroles, mais qui est aussi dans les actes. Et c'est ce qui compte pour moi. Et François Fillon a bien compris que c'est aussi en s'adressant à ce peuple de France qui ne veut plus voir brûler de drapeaux français dans la rue, qui ne veut plus voir agiter de drapeaux étrangers dans nos rues, qui ne veut plus que l'on ne respecte pas le maître à l'école, qu'on oblige les élèves à se lever dans la classe quand le maître rentre dans la classe, que l'on porte la même tenue dans l'école pour pouvoir s'identifier à son école, que l'on respecte le professeur et qu'en même temps le professeur ne tombe pas dans une éducation nationale où on ne met plus de notes, où on donne le bac pour tous, où il n'y ait plus de classe d'excellence, etc., etc. Eh bien, pardon, j'ai l'impression que celui qui incarne cette droite que vous espérez et que vous attendez, c'est François Fillon. Voilà, merci pour votre question. Rapidement, parce qu'après, il faut qu'on parte à l'aéroport. J'ai admiré.